salue tout le monde content de partager l'autre information importante avec nous. On a continué dans la série vidéo informative pour nous essayer de changer deux trois bagages qui peuvent faire nous plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de appel international pour nous-mêmes dans la diaspora qui subit en pile de ça. Donc, nous connaissons que d'ailleurs sous chaque appel, nous connaissons une question de $1.50 que vous prenez en Haïti sous appel où vous réglez toutes sortes de bagages. Bon, ce qui est bien, donc si c'est pour ranger route, si c'est pour ranger, bâtir l'école, etc., faire des projets sociaux, mettre de l'eau dans le pays, hein, nous connaissons jusqu'à présent pas gain de l'eau potable, conseil de côté ou aller dans le pays. Hein. Malgré que choléra fin tué des milliers de monde, nous connaissons que nèg toujours a brancé toujours, yo pas profiter de occasion pour mettre de l'eau potable dans pays hein, pour on l'autre catastrophe pas arriver encore. Donc nous connaissons ça qui pas arriver, c'est que peut-être choléra ca retourner encore et puis l'elle tué en pile monde encore, c'est le ça va dire ben nous était supposé gagner de l'eau. Bon, nous connaissons, c'est pas de ça n'a parlé de appels internationaux. Et pour qui ça nous poser cette question, pour qui ça nous mêmes haïtiens nous obliger à payer cher comme ça, nous pas laisser joindre vérité à avoir ensemble là. Donc sous tapez par exemple là nous sur site Verizon, sous tapez par exemple Haïti pour nous connaître frais appel Haïti yo, n'a pas que appel yo pour Haïti par exemple yo 49 sous la minute sous téléphone fixe et puis 49 sous tout sous téléphone mobile. Sous gain plan ça vous payez $15, gon l'autre plan et qui c'est $5 qui c'est illimité North America et puis sous pas payer aucun plan c'est $2, c'est presque $1.99 la minute. Donc ça c'est pour Verizon. Mais sous si par exemple ou aller ou taper en l'autre pays par exemple en taper voisin nous pour ne pas aller trop loin qui c'est Dominican Republic. Si taper Dominican Republic ou après que pendant que quand Haïti était 49 sous la minute, la République Dominicaine lui-même c'est 9 sous la minute lié. Et bien, pour qui ça qui y a une grosse différence, la différence 40 cents la minute avec alors que son pays qui à côté nous. Mais qui ça fait ça? Qui ça fait que haïtien obligé à payer cher comme ça pendant ce temps que n'a relé tout partout, n'a pas l'estomac nous que pays a open for business. Et ben donc moi mon pays qui open for business, son pays comme ça, son pays qui bay avantage à moun dehors pour relé la caille. Rien pour le fun, on essaie en l'autre pays par exemple, on essaie la France, on essaie France pour moi. Ok, la France c'est zéro, avec $15 là c'est illimité. Donc ouais, c'est 0 cent à la minute vous payer. Donc avec $15 là, pendant que vous pouvez payer 49 sous pour par la minute pour les là qui c'est ou à une heure et demie de Miami. Ok, on paye 49 cents la minute, tandis que la France qui a 8 heures de vol, on pas paye rien. C'est $15 là, on parle vitam eternam. Mais c'est ça qui a passé. C'est ça pendant que vous avez pensé, mais vrai bagaille qui a passé. Ma ban ou vrai bagaille. On essaye Argentine par exemple. Ok, Argentine, même bagaille. Sourez les un téléphone fixe, $0 ou paye, 0 cents ou paye. OK, donc tout pays ça ou bay possibilité bay moun na kayo diaspora la kayo possibilité pour yo vivre mieux, pour yo vivre, pour yo rele proche yo konnen ke moun yo ap travay du, yo bay possibilité pour yo rele proche. Donc ça c'est des gouvernements qui respecte diaspora kap travay du. Déjà nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui presque supporté gouvernement a presque $3 milliards de transferts chaque année, mais malgré ça pas gagné aucune considération nous capable dit sous ça. Si nous aller sous pont l'autre
souvent l'autre fournisseur, ça mon fournisseur qui est les Bell qui est dans le pays Canada. Si nous regardons, frère, un forfait qui est $36.90 par mois canadien. Et nous allons regarder qui pays qui inclut dans le forfait. Ça, c'est un forfait illimité lié. Donc là, nous allons regarder tout pays qui inclut. On paye comme quoi Afghanistan, par exemple, c'est 20 sous la minute. Île Vierge, c'est US Virgin Island, c'est illimité. Andorre, illimité. Argentine, illimité. Australie, illimité. On paye comme quoi Bangladesh. Illimité, Belgique illimité, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie illimité, ok. Et tout pays dans Commonwealth yo, illimité, ok. Croatie illimité, ou on paye comme Chypre, Czech Republic, donc pays majorité pays Europe yo, illimité, République Dominicaine illimité. Donc sous paye $36 canadien. Ou son dominicain, ou parler illimité, ou parler illimité approche son nous qui est dans République Dominicaine, Haïti lui-même avec même professeur, ou pourrait rester dans 29 sous 20 sous pour téléphone fixe, nous connaît presque pas un téléphone fixe, nous pas même besoin considérer, donc c'est 29 sous pour mobile, ça c'est mobile nous là côté notre montre là 29 sous, si nous descend en Haïti encore après c'est 29 sous ici. Ou pays des pays comme Hong Kong illimité donc ben ça passé ben ça t'est intrigué me des besoin qu'on est pour qui ça télé appel yo chef comme ça et ben non chercher nous tomber sous information ça pour vous. Et ben il y a plusieurs pays qui dans Caraïbes là en fait 25 régions dans la zone là qui participaient dans ça nous relève de North American Numbering Plan. OK, North American Numbering Plan là son plan téléphonique qui c'est plusieurs pays qui mettaient ensemble. Il était commencé avec Canada, États-Unis, ils t'ap cherché un moyen bien sûr dans tout pays sérieux, ils t'ap cherché un moyen pour yo descendre frais appel de Canada vers États-Unis, d'États-Unis vers Canada. Eh bien, si nous regardons historique de plan, ça, son plan qui commençait depuis l'année 1876. Donc, à chaque fois, c'est comme si nous avons une entente qui était gagnée entre États-Unis avec Canada. Et puis, à chaque fois, il y a des pays qui viennent ajouter tête là-dedans. Donc, c'est leur participer dans le plan, ça, ou pas vin kon indique leur parle, en fait, leur diaspora à la caille, après, dans le pays, ça, yo. Ou pas faire 011. OK, j'en ouais ou obligé faire 011 509 pour aller à Haïti. L'on participe dans North American Numbering Plan là, ou pas faire 011 pour les pays ça, ou just mettez 1 plus, c'est comme tout après les États-Unis, c'est comme tout après le Canada encore. Ça fait que appel ça yo vini moins cher, yo vini moins cher et yo vini conseiller de indicatif qui propre à yo même. Donc depuis téléphone reconnaître indicatif ça donc automatiquement on paye même frais et nous parlons qui pays qui participer dans plan ça nous pas regarder countries and territory nous c'est American Samoa qui gagne indicatif 6 8 4 donc tout indicatif que là yo République Dominicaine mes côtés liés avec indicatif 809 829 849 donc tout indicatif ça yo dans North American Numbering Plan nan. C'est ça fait que moun ça yo tout pays ou est là yo c'est ça fait que kajwenn tito appel ça yo pays qui nan zone nan, par exemple soit chercher Mexique ou après que Mexique pas dans plan ça. Parce que Mexique lui-même lui participer dans l'autre plan, c'est pas plan ça seulement gagner l'autre plan à travers le monde. Donc tout pays sérieux, tout pays qui respecte tête yo, tout gouvernement respecte tête yo, qui respecte diaspora yo, donc yo participer dans plan comme ça pour yo bail. Et puis tout gouvernement qui fait business sérieusement, parce que
le monde a fait business ou pas qu'a fait monde a payé en fortune pour la prêter la caillou, imaginez ou une compagnie internationale et puis compagnie en lit en Haïti et puis le monde a pris en Haïti pour pas aucun plan. Donc c'est ça qu'il est. Bon, le monsieur t'a dit Haïti open for business. Non, mais moi j'ai pensé que ça c'est une bagarre que t'as pas attaqué. Bien sûr, il va attaquer pour ce qui ça parce que ben appel téléphonique au bail au $10.50 pour faire servir, pour faire chouer grave gens vous voulez et c'est nous mêmes diaspora qui a payé ça. Donc nous mêmes diaspora faut nous commencer même gens nous commencer demander pour nous participer dans vie politique pays Haïti. Faut nous commencer reler tout, faut nous commencer faire lobby autour de plan ça pour nous voir que si Haïti tout Haïti même j'ai tout le pays on sait même j'ai Jamaïque même j'ai République Dominicaine Porto Rico toute grande île yo c'est seul Cuba qui peut participer avec Haïti dans grande île yo donc dans Caraïbes là on capable dit on pays quand Guadeloupe pas dans plan mais Guadeloupe participe dans plan européen qui fait que appel yo illimité tout en Guadeloupe. Donc c'est seul nous même avec Cuba qui pas participer. Cuba nous ka comprendre ça parce que Cuba était sous un embargo et puis Cuba pas ka fait système téléphonique américain confiance net, yo pas yo était sous un embargo, yo pas gain aucune ouverture avec américain. Donc c'est normal que Cuba pas participer dans plan ça, c'est normal que Cuba lui-même appelle yo cher comme ça, c'est 90 sous la minute à peu près, presque 1 dollar, c'est normal. Mais on pays comme Haïti son pays qui marche sous zone américain, pas aucune raison que financière que source diaspora que voler l'argent qui fait que haïtien pas voulu participer dans plan ça parce que nous connaît téléphone en Haïti sont mine l'or lié pour gouvernement c'est là dedans yo prend fourré mais gens ou voulez faire chou ravio gens ou voulez et donc nous même dans diaspora c'est pour nous commencer parler de plan ça c'est pour nous commencer demander ministère diaspora vivant à l'étranger pour qui raison plan ça pas arriver dans parlement faut nous aller chercher faire lobby auprès de sénateurs de députés pour yo ka faire nous participer nous même haïtiens dans plan ça comme ça tout le nous payons $20 nous payons $30 ou bien là nous payons $15 n'a pas parler illimité avec famille nous amis nous qui en Haïti mais en attendant qui sont qu'à faire ou qu'à quand même chercher d'autres moyens même si on est monsieur ça fin tout fourné nous mais on qu'à chercher d'autres moyens pour aller en Haïti par exemple pour aller des applications gain des sites qui bah des appels yo prétendent que c'est appel gratuit bon là ouais yo dit c'est free calls to Haiti mais c'est pas vrai nous pas en fait nous quand même tester on essaie de reler en côté en Haïti là on essaie de reler en ministère par exemple pour ne pas aller les moun pour aucun numéro de téléphone pas paraître donc nous pas laisser joindre ministère. On essaie le ministère de l'agriculture en Haïti. Ministère de l'agriculture Haïti. OK. Donc ministère de l'agriculture Haïti numéro c'est 509 22 22 35 99. On essaie de reler. Donc 509 22 22 35 99. On essaie de reler. Ouais, si c'est vrai, appel le gratuit. C'est pour ça qu'on a cette absolue. Non, ouais. Donc, il dit, sorry, free call is not allowed to this number. Check all rates. Donc, faut payer. Mais si par exemple, on cherche ministère agriculture France, par exemple, ministère de l'agriculture de la pêche en France, ministère de l'agriculture de la pêche en France, 39, numéro c'est 49 55 49 55. Ok. France 1 49
49 55 9 55. Call. Après c'est nous connecté. Donc ouais, automatiquement calling et la prélé. PC sécurité. Désolé, c'était un mauvais numéro. Allô? Ok, donc ouais, donc ouais, mon arrêté tout de suite, mon répond tout de suite, c'est la France. Donc Mbanou Prevlan, et que c'est nous même haïtiens, il y a tout pisé comme ça. Donc j'aime dire nous parler avec député nous, parler avec sénateur dans zone nous, pour nous voir si nous ca entrer en fait demande collectif là, pour nous voir si nous ca entrer dans plan ça pour nous râler on souffle. Donc n'a préparé l'autre vidéo pour comme ça les vidéos éducatives j'en ai dit là pendant n'a gardé ti n'a détendre nous artisan nous mais des bagages constructifs que nous ca fait et n'a porté pour plus vidéos comme ça, so, rebrancher, partager vidéo. À la prochaine.